Cette chose que je vais vous dire aujourd'hui, qui est très courte, hein, est plus dangereuse que le sucre. C'est quoi cette chose? Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, dans cette vidéo très très courte, hein, moins même de 2 minutes, eh bien, qu'est-ce qui est pire que le sucre en lui-même? Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, mais également à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, eh bien, de mes vidéos, de mes différentes vidéos que je poste. J'aimerais avoir également votre avis là-dessus. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel, le créateur de The Power Chef. Sur cette chaîne, je partage tous mes conseils sur l'alimentation, comment bien manger, mais également comment faire, tout simplement, certaines recettes, les recettes les plus connues comme les recettes les plus traditionnelles. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est totalement gratuitement. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Alors le sucre, comme vous savez, sécrète l'insuline, l'hormone de stockage et l'hormone qui permet tout simplement de vous donner de l'énergie. Et le truc c'est que, eh bien, si on combine et si on fait cette erreur de prendre tout simplement des protéines, donc de prendre de la viande, de prendre voilà, des protéines et de combiner avec du sucre, eh bien l'insuline va provoquer, va se sécréter 200 fois plus. C'est-à-dire l'effet va être 200 fois plus élevé. Donc imaginez-vous, vous mangez du sucre, déjà l'insuline va être assez élevée, enfin assez élevée, très élevée, et en plus de ça, vous avez 200% ben, d'ajout supplémentaire d'insuline, d'effet sur votre tout simplement corps. Donc, les amis, il faut décider tout simplement d'arrêter de faire cette combinaison d'aliments. J'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas donné de chiffres spécifiques sur eh bien, ce que ça provoquait et comment ça affectait tout simplement votre insuline. Donc, je donnerai quelques exemples, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Combiner tout simplement, vous savez, tous les restaurants chinois, il y a le porc au miel, de la viande avec, par exemple, du sucre, ça peut être également... bah, du sucre caché également, ça peut être de sauce d'huile, du siave, de la sauce soja, vous avez également du poulet, la sauce aigre douce, la sauce sucrée salée, ça c'est pire encore, c'est ça que je parle. Donc prenez et faites attention à tout simplement cette combinaison d'aliments et vous allez voir que eh bien, vous serez en meilleure santé et vous n'allez pas tout simplement expérimenter les effets de l'insuline sur votre corps. Ciao tout le monde.